Bonsoir. J'ai pas trop. Déjà 200, 300. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte que 12 partages. Partagez. La chanson la dose, on t'a remarqué si elle me la donne. Maman, vous êtes forte. Lolo faut de la cale est sucrée. Partagez le live. On va gagner. Le goût de ça, le goût de la canne. Partagez, mes amis. Tata Lolo est là. Hein. Partagez, partagez, partagez partout. 1000 personnes, on lance le live. Amis, je lance le live. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Lolo Mania. Bonsoir, sympathisants. Voilà. Je fais un court petit direct. Merci, plus chérie Bénéné. Ma plus chérie est revenue. Merci pour les cœurs. Attends, le suivant des arrières. Pas la jalousie. Mirador va dire un petit mot. Hein, parce que, je sais pas, voilà. Mirador, c'est un jeune Camerounais qui fait aussi des vidéos. Beaucoup d'entre vous connaissent qui est Mirador. Donc, partagez le live. Partagez, partagez. Nous sommes à la veille de la CAN. Donc, dans quelques jours. Donc, demain. Jugez-moi combien. Il reste combien de. Dans 24 heures, non, pas 24 heures. Dans 10 heures, nous aurons l'ouverture du premier match de la CAN. Il y aura deux équipes, le Cameroun contre le Burkina Faso. Mais vous ne parlez pas. Comment non? Hey. Montez, on arrive à 1000, puis on continue à partager. Partager, partager, partager. Je vais essayer de partager aussi de mon côté. C'est juste un coup direct, un coup direct, parce que je sors. Je vais m'amuser. Ouais, j'ai oublié. Ouais, okay, on voit le message, non. Hein? Mirador, on voit le message du WhatsApp. Nous sommes 1000 personnes. Ouais, comment je suis belle. Je me suis make-upé. Ma make-up, tata Lolo. Mouton, mouton. Merci pour ta présence. Malone, le sang des innocents du nozo ne va pas te laisser tranquille. Ah, maman. Ange, ange. C'est moi que Mathurin. Je te suis depuis l'Allemagne, ma soeur. Bon séjour. Que le Seigneur te protège. Merci. Boulevard des Sables, le maquillage de la gloire, le vert rouge. Ouais. Et qui encore? Partagez, non. Je lis vos commentaires en même temps. Oh, vous êtes trop marrant. Vous êtes marrant, c'est ça, non? Partagez. Il n'y a plus les commentaires. Si c'est parfois mon lotus, il bloque les commentaires. J'arrive plus à lire les commentaires. Non, mais chez moi, ça ne monte plus. C'est bloqué. C'est bloqué. Il n'y a que 87 partages sur 1500, presque 1200 personnes abonnées en ligne. Partagez, non. Pourquoi vous ne partagez pas? Partagez le live. Je suis la star du moment. Hein? Je suis la star de l'heure. Partagez. Partagez. Dites-leur que Tata Lolo est là. La fille du commissaire priseur. Que je suis là. Je suis là.
Dites-leur que Tata Loulou est là. Partagez, partagez, partagez. Bon, il y a quand même assez de monde. Voilà, je fais ce petit direct parce que le Cameroun est sous les feux des projecteurs. C'est un grand événement que le Cameroun organise pour la première fois de l'histoire hein, d'un pays africain. Nous accueillons 24 nations pour cette CAN-là. Et toutes les équipes ont été bien accueillies. Et je vais profiter de mon petit direct pour demander aux Camerounais de se calmer. Parce que c'est une chance que nous avons aujourd'hui d'accueillir 24 nations pour cette CAN. Et c'est la première fois dans l'histoire du football africain. Je vois beaucoup de gens s'agitent sur les réseaux sociaux. Les choses se disent. Si vous n'avez pas été invité cette fois-ci, la prochaine fois, peut-être vous aurez des cartons d'invitation. Pourquoi vous faites du mal à vous-même? Parce que je vois aussi les blogueurs qui osent parler. Vous ne voulez pas, vous ne valez pour une première que le Cameroun valorise les blogueurs. Vous-même, les blogueurs, vous venez encore faire des directs pour vous indigner et dire que ce n'est pas une bonne chose. Pour moi, je trouve que c'est de la pire jalousie, c'est la jalousie. Bon, c'est être même bête, quoi. Vous n'êtes pas intelligente parce que quand vous faites ça, ils ne pourront plus nous inviter un jour aussi à un événement au Cameroun. C'était une très bonne occasion parce qu'ils ont compris que les blogueuses ou les blogueurs ont une importance dans la société aujourd'hui. Donc, normalement, tous ceux qui font les directs devraient être même contents que voilà, c'est pour une première fois. Nous sommes invités à un événement dans notre pays. Il y a d'autres événements. Il y a la Journée internationale de la femme. Il y a le 11 février. Il y a le 20 mai. Il y a beaucoup d'événements qui vont se passer au Cameroun. Et si on invite des blogueurs, ça peut être vous demain. Pourquoi créer la polémique, insulter les gens, traiter les gens de pimentières? Moi, depuis que je suis né, je n'ai jamais fait le piment. Hein. Je ne me suis jamais prostituée parce que ce n'est pas... Je suis une fille qui travaille, je suis mère au foyer. Je m'occupe de ma fille. Pour le moment, je ne travaille pas parce que j'étais en formation. Et puis, je suis allé en vacances. J'étais en vacances au Cameroun au mois d'août. Je suis rentré des vacances. J'ai eu le palu. J'ai eu beaucoup de trucs. Je reprends au mois de février quand je rentre du Cameroun. Voilà. Je ne vois pas pourquoi tu as dénigré les gens. Vous prenez des photos, vous collez, vous faites ceci. Mais ça ne vous sert à rien. Soyons en joie que pour une première fois, dans un pays africain, on organise une CAN avec 24 nations. Ce n'est pas donné. Hein? Vous devez plutôt être là pour parler du Cameroun, pour parler des équipes, pour encourager nos lions, pour faire des directs, pour parler des lions indomptables, que de créer la, des polémiques, des conneries. C'est des conneries ça. Pour une première, moi je dis et je continue à répéter qu'il ne faut même pas que les personnes qui nous ont invités essayent de céder à votre chantage. Parce que moi je trouve que c'est du chantage ça. Tu vois les gens qui parlent de Bamileke, machin, de le tribalisme de ce qu'on... On ne peut pas construire un pays dans le tribalisme. Il faut vivre au Cameroun pour comprendre que ce que vous faites là, c'est nul et sans effet. Ça n'est pas arrivé nulle part. Les Camerounais vivent ensemble ici. Les Camerounais mangent ensemble, ils font tout ensemble. Je vais faire un tour. Vous allez voir que les Camerounais sont ensemble autour de cette canne. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Le stade est plein. Peut-être même demain, je dirais post-stade parce que c'est plein, c'est saturé. Il n'y a même plus de place. Il y a d'autres qui n'ont pas pu avoir des places. Un pays aussi pauvre que vous dites que, mais comment ils ont pris l'argent? Parce qu'ils sont contents d'accueillir cette compétition-là. Aujourd'hui, vous commencez à prier, oh, l'argent du contribuable, oh, ceci, oh, cela. Vous dites des choses, vous croyez que c'est mon voyage au Cameroun qui va changer la vie des Camerounais? Que je sois là ou je ne sois pas là, ça va changer quoi dans la vie des Camerounais? Ça, c'est des débats inutiles. Vous n'apportez rien en tant que des blogueurs. Vous montrez aux autorités camerounaises que le blogueur camerounais ne sert à rien. Parce que sur des sujets qu'il ne faut même pas parler, vous êtes là, vous êtes les gens sortent de partout. Moi, je suis Bamileke. Je suis de l'ouest du Cameroun. Je ne vais pas régner ma région parce qu'il veut faire plaisir à qui que ce soit. Et le président peut bien vous montrer que c'est la raison pour laquelle il a duré 40 ans au pouvoir. Parce qu'il a toujours rassemblé les Camerounais autour de lui. C'est ça qui fait sa force. Vous pouvez gouverner un pays en divisant? Non. C'est ça qui fait sa force. C'est la raison pour laquelle c'est le vieux lion, parce qu'il est sage. Il a réussi à réunir les Camerounais autour de lui pendant 40 ans. Ce n'est pas donné de gouverner un pays pendant 40 ans, un pays des têtus et tout ce qu'il y a aussi au Cameroun.
C'est parce qu'il a réuni tout le peuple, tous les Camerounais autour de lui. Vous croyez que c'est en divisant, en venant parler le Béti. Moi, je comprends très bien le Béti. Je suis né à Kribi, j'ai grandi là-bas. Avant, je parlais Boulou couramment, mais j'ai grandi. Après, j'ai commencé, tout est parti dans ma tête. Vous croyez que c'est Koussi, vous croyez que c'est tous les Béti qui aiment Paul Biya. Vous croyez que c'est tous les Bamlegi qui aiment Kamto. Alors moi, je fais l'exception. Je ne suis pas ici parce que j'appartiens ou j'appartiens à un parti politique. Non, j'ai été invité. Je ne connais même pas ceux qui m'ont invité. Je me tue à vous le dire depuis hier que je ne suis. Je connais personne. Vous attribuez les noms, aussi, vous me collez. Vous ne respectez même pas la personne avec qui je vis. Ce n'est pas normal. Vous dites que je suis venu chercher les hommes. Qu'est-ce que je vais chercher un homme ici à l'hôtel? Je suis venu pour la canne. Laissez-moi profiter. Peut-être un jour, ça sera votre tour. Arrêtez de créer des faux trucs. Je suis même harcelé. Je vois que parmi tout ce monde-là, il n'y a que Lolo. Je suis la cible de tout le monde. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Je ne comprends pas. Je vous pose la question là. Pourquoi c'est Lolo? D'autres gens me disent que non, on ne répond plus. Je n'ai pas envie de répondre. Mais, mes chers frères et... Mirador, tu veux dire quelque chose? Ah, si tu me donnes l'occasion de dire quelque chose, je le ferai. C'est vrai que je suis en train de lire les commentaires là. Voilà. Cet événement porte des valeurs de paix et de rassemblement. Normalement, on devrait être tous ensemble pour fêter. C'est un grand événement, gars. Ça n'arrive pas tous les jours. Pour organiser la CAN, c'est des milliards. Regardez les stades que le Cameroun a aujourd'hui. Nous avons des grands stades. Quand tu regardes le stade de l'Olympe, tu es fier d'être une Camerounaise. Vous dites qu'en 40 ans, on n'a plus rien fait. Il n'est jamais trop tard dans la vie. En 10 ans, on peut faire des choses si nous sommes ensemble. On peut construire des choses. Apprenons à nous aimer. La haine détruit. Arrêtez. Demain, c'est un grand jour. Oubliez Lolo. Oubliez tous ces gens-là. Oubliez Aline. Oubliez ça. Partez plutôt à la CAN. C'est ça qui est important. J'ai fait le tour, j'étais en ville, je suis allé en ville là, j'ai vu comment la ville est propre. On a nettoyé Yaoundé est propre de partout. Les Camerounais s'aiment. Et même le président de la FIFA qui n'a pas cru que le Cameroun était capable d'organiser cette CAN. Il a critiqué, il était le premier à dire qu'il faut renvoyer la CAN au Cameroun, que ça ne doit pas avoir lieu au Cameroun. Il a dit non, il y a quelques semaines là. Aujourd'hui, il est où? Il est au Cameroun pour assister à l'ouverture du premier match de la CAN. Il est là parce que lui-même, il a dit, mais waouh. Il apprécie. Pourquoi nous, les Camerounais, nous allons, on se déchire pour des conneries, dormir à l'hôtel, machin. Vous êtes sûr que c'est le gouvernement qui m'a logé dans cet hôtel? Vous pouvez m'apporter une preuve que c'est le gouvernement camerounais qui m'a logé dans cet hôtel? Vous avez une preuve que c'est le gouvernement camerounais qui m'a logé dans cet hôtel? Sortez-moi une preuve où je suis ici avec le gouvernement camerounais qui m'a logé dans cet hôtel. Faites très attention à ce que vous faites. Faites très attention. Même le professeur Maurice Kamto, il a le maillot du Cameroun. Il supporte son pays et il vous a fait appel à l'ordre. Que non au scandale pendant cette période de la CAN. Soyons tous unis autour de notre équipe, de notre pays. Soutenons le pays. Mais vous êtes en train de crier, c'est les bordels, c'est les vendeuses de piments. Vous êtes des femmes fidèles? Vous êtes des femmes fidèles? Si je commence à dépasser, il y a beaucoup d'entre vous là que je connais vos vies. Mais je ne peux pas me permettre de le faire parce que je ne suis pas là pour ça. Je peux bien le faire. D'autres personnes qui appellent au téléphone, on a piégé tel. Vous-même, vous êtes femmes fidèles. Vous laissez vos maillots pour l'avion pour venir faire des choses ici au Cameroun. On ne peut pas parler, on peut parler. Et moi, je parle avec les preuves à l'appui. On peut dire des choses. Ne croyez pas qu'on ne parle pas parce qu'on a peur. C'est parce que le moment n'est pas choisi. Je suis fier d'être là. Ne croyez pas que c'est celui-là. C'est parce que je ne pense pas aux Camerounais qui souffrent. Je pense aux Camerounais qui souffrent. Mais la vie est faite ainsi. On ne va pas arrêter de vivre parce que les gens souffrent partout dans le monde. Partout dans le monde, les gens souffrent. Pourquoi vous vous en prenez à moi? Pourquoi cette haine? Pourquoi cet acharnement? La canne sera sucrée grâce à vous, à votre acharnement. J'ai eu quelqu'un qui a chanté, qui m'a honoré en chanson. La chanson sort demain. Les gens veulent me voir de partout. Tata Lolo, tu es qui? Tata Lolo. Tout ça. Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais pourquoi c'est de Lolo?
Des gens qui font des directs en longueur de journée. Je n'ai même pas envie d'insulter parce que je respecte mon petit frère qui est derrière moi là. Je n'ai pas envie de faire des câbles directs depuis parce que j'évite, parce que je me connais. Hein? Dans la paix du Christ. Hein? Arrêtez votre haine. Même le professeur Moïse Kamto est favorable à cette CAN. Parce qu'il sait que le football est important dans un pays. Valorisons notre pays. Ensemble, soutenons, soyons derrière les lions. Il y a beaucoup de choses à faire ensemble. Arrêtez votre haine là. Donc, je vais laisser. Demain, je vais habiller en vert ou jaune. Tout le Cameroun entier sera habillé en vert ou jaune. Ça serait que ça sera beau maillé. Vous allez lire partout, dans toute la ville. Ça sera spectaculaire demain là. Et vraiment, je suis très contente de vivre ça en live. Même si je vais pas au stade, parce que franchement, le stade là, j'ai pas envie d'aller. Il y a aussi pas sanitaire, le vaccin, le test, ceci. Sans que demain ça sera chaud là-bas. Je vais préférer rester à l'intérieur pour faire des reportages sur à cœur ouvert. Mes frères, mes soeurs, je vous aime. Donc, ne m'appelez plus pour me dire, Tata Lolo ne répond pas. Je connais le moment où je vais répondre. Pour le moment, j'enjoy my can. Quoi s'est passé demain? Maman, je vais voir le popo, le vieux lion. Le président de la République sera présent au stade. Son entrée sera triomphale. Ce n'est pas les affaires qu'on a dit là. C'est notre président. Alain, si on n'a pas... Avec son épouse, Madame Chantal Biya, cette femme humble, cette femme généreuse, la maman de Camerounais, notre première dame, elle sera assise demain pour regarder les lions jouer. Le Cameroun, oh, on a un très beau pays. Avec tous les Camerounais en plus. C'est notre CAN, pas la CAN d'autres personnes. Je laisse Mirador vous dire quelque chose. Bon, voilà, alors maintenant, à cœur ouvert. Tata Lolo était demandé une émission. On devait faire une émission. On s'est raté la dernière fois que j'étais au Cameroun. Je suis allé t'attendre au noir à l'aéroport. Pour finir, je ne t'ai pas vu. Et justement, Baka, en regardant ton live tout à l'heure, j'ai lu des commentaires. Il y a un jeune homme là qui me dit, Mirador nous a trahis. Donc, en gros, ce que je voudrais dire, bonsoir déjà à tous les fans de Tata Lolo. Bonsoir à tous ceux qui me connaissent. Moi, c'est Mirador. Tata Lolo, c'est ma mère, si vous remarquez bien. Et quand je lis le commentaire de ce jeune homme, premièrement, il ne connaît pas les relations que j'entretiens avec Tata Lolo. Ah, mais depuis longtemps. Voilà. Donc, pour lui, je ne devrais pas entretenir une relation avec Tata Lolo parce qu'elle est au Cameroun et que tout comme moi, elle voudrait que la CAN ait lieu. Pour lui, il pense que avoir des penchants politiques demande aux gens de faire la haine. Pour ceux qui me suivent, moi, j'ai deux choses que je prône sur ma page. Je prône la paix, le patriotisme, la paix, tout ce qui va avec. Et je prône le travail. Moi, je suis pour les jeunes qui travaillent. Et j'ai même chanté. J'ai fait toute une chanson pour ça. Est-ce que vous l'avez partagé? Je ne suis pas sûr que celui qui se plaint de moi là, a même partagé la chanson. S'il la connaît même. Mais il me voit, nous sommes à un moment... Nous sommes à un moment donné dans notre pays où c'est assez. Merde. Et j'ai laissé mon chargeur dans la voiture, loin en bas. Nous sommes à une période de notre existence au Cameroun où. Il faut faire passer ça. N'est-ce pas? La corde est même petite. Vous patientez un peu, hein, sinon ça va s'éteindre. Qu'est-ce qui est branché là, la lumière? Il va falloir qu'il touche pas en bas. Sinon, ça risque de s'éteindre. C'est par où? C'est même ça? C'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il faut un chargeur Android. Ouais, on fait un très bon direct. Ça va aller.
tu vas parler comme ça, tu vas te dire non. Ouais. Voilà. C'est bon, on fait comme voilà. Ça, c'est pas grave. Donc, voilà. Comme j'étais en train de dire tantôt, nous avons un événement au Cameroun. La CAN, c'est 50 ans. Moi, je m'appelle Mirador. Je suis un jeune Camerounais. De mon vrai nom, Kingsley Tangwan. Originaire du nord-ouest de Père, de l'ouest de Mère. La mère de mon père. La mère de mon père est d'un fou. Elle est Ewondo d'un fou. La mère qui a accouché mon père est Ewondo d'un fou. Donc, je suis un hybride. Donc, j'ai la légitimité pour parler en tant que Camerounais. Peut-être que je suis hybridé seulement de 4 tribus. Il y en a plusieurs au Cameroun. Mais j'ai quand même cette légitimité-là de parler. Je suis un jeune travailleur. Un jeune qui se bat. Un jeune qui aime son pays comme tout le monde parce qu'il n'y a pas plus Camerounais. Je ne suis pas plus Camerounais que Tata Lolo ou plus Camerounais que vous qui écrivez, ceux qui la soutiennent ou ceux qui ne la soutiennent pas ou ceux qui l'insultent. Mais ce que je sais, c'est que j'ai 30 ans. Et que la dernière CAN qui a eu lieu au Cameroun s'est passée il y a 50 ans. Donc, je n'étais pas encore né. Donc, je n'ai pas bénéficié de cela. Et aujourd'hui, j'ai 30 ans. Oui, nous avons des problèmes. Mais je ne veux pas laisser ma CAN passer. Parce que j'ai 30 ans. Je ne suis pas sûr que dans 50 ans, si le Cameroun organise encore une CAN, moi, je serai là pour regarder cette CAN-là. Si aujourd'hui, je peux bénéficier en tant que jeune, avec ma force et mon énergie que j'ai, parce que je suis un travailleur, je me suis toujours battu. Et j'encourage tous les jeunes Camerounais à être des patriotes, à aimer leur pays et à toujours se battre, même s'ils ont des penchants politiques. La politique ne doit pas nous transformer en des animaux sauvages. On ne doit pas devenir des monstres parce qu'on fait la politique. Non. Tout ce qu'on fait, c'est la politique. Même la chanson que Mirador fait pour le Nozo, où il invite le chef de l'État à résoudre les problèmes dans le Nozo. Mais c'est de l'audace. Je m'adresse à un chef de l'État. Tout ça, c'est politique. C'est vrai que ça passe par le social, mais c'est politique parce que derrière cette chanson, vous ne connaissez pas des résolutions politiques qui peuvent être prises. Donc, il faut que nous, Camerounais, on évite un peu cette histoire-là où tout le temps, on est sur les réseaux sociaux, toujours en train de s'acharner sur les gens. Les mêmes blogueurs qui sont en Europe avec ceux-là, avec ceux qui sont prônés depuis un moment-là, ceux à qui on donne un peu de l'audience, on donne de l'accès dans les stades pour qu'ils filment, ceux qu'on a considéré qui pouvaient avoir de l'audience pour filmer la CAN et pour montrer aux étrangers que le Cameroun est activé par rapport à la CAN. Ce sont les mêmes qui sont encore derrière leurs propres frères blogueurs parce qu'ils sont jaloux, ils créent des faux comptes, ils viennent encore saboter. Pourtant, il y a une certaine année au Cameroun, le blogueur ne servait à rien. Les blogueurs n'étaient considérés que comme des personnes qui créent des vidéos sur Internet, qui bavardent à longueur de journée. D'ailleurs, c'est ce qu'on passe le temps à dire, que les blogueurs ne servent à rien, les artistes ne servent à rien, les comédiens ne servent à rien. Aujourd'hui, voilà la Ligue professionnelle des blogueurs. On voit des comédiens, on voit des artistes, on voit des influenceurs. C'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose pour moi. C'est déjà une bonne chose. Moi, ce que je dis, c'est que tout le monde a des problèmes. On se plaint. Tous les jours, on se plaint. Mais gardons l'essentiel et retenons que nous sommes des êtres humains. Et en ce moment, s'il y a quelque chose qui nous unit, qui vous dit ce qui aura lieu peut-être après la CAN? Qui vous dit ce que cette CAN peut apporter au Cameroun? Qui vous dit? La CAN, c'est un événement joyeux. C'est un événement qui vient embellir l'image du Cameroun. Même comme cette image du Cameroun est vraiment entachée. Mais cette CAN-là vient l'embellir. Elle vient l'embellir. Si le football ne peut pas nous unir, qu'est-ce qui va nous unir? Si le football ne peut pas nous unir. Parce que moi, je connais un moment dans mon pays, quand j'étais petit, le football unissait les Camerounais. Le football unissait les Camerounais. Mais on nous a tellement séparés, tellement divisés, des gens qui ont toujours des propos sauvages, des propos arrogants parce qu'on fait de la politique. Non, la politique, ce n'est pas pour tuer ses frères. La politique, ce n'est pas pour s'entretuer. Donc, quand quelqu'un vient me dire, parce qu'il me voit avec Tata Lolo, qui est ma mère, écoutez bien, je ne l'appelle pas Tata Lolo parce que elle a écrit sur son profil Facebook Tata Lolo. Hein. Je l'appelle Tata Lolo parce que c'est ma tata. Hein. Tu dois dire Maman Lolo. Hein. Donc en réalité, je devrais dire Maman Lolo. Hein. Je dis juste Tata Lolo pour que les gens essayent un peu de comprendre que c'est d'elle que je parle. Maintenant, quelqu'un m'interdit à moi de rendre visite à ma tata qui est au Cameroun. Donc il m'interdit cela parce que je serai Mirador, je serai le gendarme de la toile. Et pour lui, il n'aimerait pas me voir avec elle parce qu'elle est logée au Mont-Fébé. Et qu'elle a nagé dans la piscine aujourd'hui parce qu'il faisait chaud. Et que moi, je ne dois pas venir. Donc, moi, comme tout à l'heure, je vais démarrer ma voiture. Je pars avec ma tata. Non, pas se balader. Je ne dois pas me balader avec elle parce qu'au Cameroun, on fait la politique. Et il est interdit à un enfant comme moi d'être avec sa tata.
Donc c'est interdit pour moi d'être à Matata, mes gars. Bon, Mirada, tu penses quoi de l'invitation Mais c'est que je n'ai pas dit qu'il y a certaines personnes que j'ignore les noms. Hein, bah, nous ont invités, bah, mais sans pas ceux qui nous ont payé. De toutes les façons, ce que je dirais, c'est que. Je ne pense pas qu'ils ont valorisé les Ce que je dirais, en tout cas, c'est qu'ils m'ont permis d'être au stade demain avec ma tata tranquillement. Donc, j'ai à parfumer ma voiture. Je ne savais pas que tu allais être là. Donc, si tu es là en santé, c'est l'essentiel. Et maintenant, ce que je pense de cela, c'est que c'est vrai, moi, j'aurais préféré qu'on invite. Ça vient de moi, ça vient du fond de mon cœur. J'aurais préféré qu'on invite même encore beaucoup plus de blogueurs. Beaucoup plus. J'aurais aimé qu'on invite même une centaine de blogueurs. Parce qu'ils existaient des centaines de blogueurs. J'aurais aimé. Mais maintenant, si on s'est limité à inviter certains blogueurs, je peux peut-être croire que ceux qui sont derrière cette invitation-là ont choisi les personnes qu'ils voudraient inviter. Si ça ne dépendait que de moi, on invitait tous les blogueurs, tous les enfants-là. Charles Luinkwa, El Dilano, tous les enfants-là. Les Padli, tout le monde, tous ceux qui sont dans la diaspora-là. Ceux qui se clashent. J'aurais aimé qu'on invite même tous ceux qui ont aidé à faire la guerre sur Internet. Tous les gens qui se clashent-là, qu'on les invite. Ils viennent ensemble vivre cette canti. Parce que derrière le vécu de cette canti, on ne sait jamais. Une réconciliation peut se créer. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Bien vrai qu'elle reste politique, mais je m'en fous. Je sais que le reste, l'essentiel pour moi, c'est que cette canne se passe bien et que tout se passe bien. Maintenant, les Camerounais sont contents, hein, la ville est propre. Je me balade dans la ville, je vois comment les gens sont contents. C'est que on ne voit pas très souvent, parce qu'il y a un moment donné, dans les villes de Yaoundé, les gens sont... Il y a un moment, les Camerounais étaient très nerveux. Très partout, bien. C'est la violence. Tu parles à quelqu'un n'importe comment. Parfois, quelqu'un te gicle même de l'eau. Il passe avec sa voiture, il te frappe de l'eau, il ne demande pas les excuses. Celui le premier à vouloir faire les problèmes parce que c'est le stress permanent. Mais je suis en train de voir comment la ville brille partout. C'est les gens qui crient dans les trompettes. C'est les gens qui secouent le drapeau. Tu te rends compte. Mais nous avons vu comment est-ce que les drapeaux ont été piétinés. Que ce soit dans le nord-ouest, que ce soit dans la diaspora, on a vu comment le drapeau camerounais a été piétiné. Ça fait plaisir aujourd'hui de voir que ce même drapeau qui a été piétiné, il y a de cela quelques mois, quelques années aujourd'hui, ce drapeau est encore en train d'être balancé par des Camerounais. Ça fait plaisir, c'est le Cameroun. Parce que les hommes passent, mais le Cameroun reste. Faisons très attention. En tout cas, on va pas rester. Donc, la canne sera sucrée parce que On va mettre ta musique. Demain, la sortie J'ai vu une chanson qu'on a fait pour toi. Donc, ça veut dire que même l'artiste là est en danger parce que même lui-même là, il n'aurait pas dû chanter pour toi. On va lui dire que mais tu n'aurais pas dû chanter. Non, c'est un Camerounais qui aime Tata Lolo. Il aime ce que j'ai fait. Et puis, voilà. Après cette canne, Tata Lolo, je vais personnellement écrire une chanson. Cette chanson sera... Je ne sais pas. Les gens n'ont pas pleuré too much. Cette chanson va vous faire pleurer. Je vais écrire une chanson. Si après cette chanson, les Camerounais ne comprennent pas qu'ils vont s'unir. Non, mais c'est sérieux. Entre nous, vraiment. Et quand je vais toucher les sensibilités les plus profondes. Je vais les toucher. Je vais exposer le défaut de tous les blogueurs. Même toi, hein. Moi, je ne vais pas te louper. Je vais toucher tout le monde. Et quand je vais vous toucher, vous tous... Maintenant, chacun va prendre sa place. Il va maintenant savoir s'il doit se réconcilier avec son frère ou pas. Parce que tout ça, nous sommes des frères. C'est le game. Tout ça, nous sommes des frères. Okay. Et c'est le game. Et il y a les grands frères du game qui essayent de vouloir mettre ses frères en conflit. Ah, ça. Oui. Pour moi, l'essentiel là maintenant, c'est que moi, je suis à Tata Lolo. On devait se voir la dernière fois. La dernière fois que tu étais ici, j'ai roulé et... J'ai eu ce qu'on m'a donné comme cadeau aujourd'hui. Le Camerounais n'aime pas maintenant. Voilà. J'ai eu ça comme cadeau aujourd'hui. Voilà, la force de l'expérience. J'étais loupé, je suis entré dans les embouteillages. J'ai eu ça comme cadeau, c'est un Camerounais qui me l'offre. J'ai eu ça comme cadeau. C'est les trucs de la canne, non? C'est pas pour la canne. Les porte-clés. Les petits bâches, c'est ça, les porte-clés pour la canne. J'ai eu ça. Mais qui envoie les cœurs beaucoup là. Curieusement, quand je viens sur le live maintenant, mon jeune frère là, il m'appelle plus de. Il me traite plus de traître depuis là. Tu parles bien, l'union fait la force. Mon frère, on t'a pas dit que moi je suis. Je suis le gendarme de la toile. Hein. Moi, je ne suis pas. Les Camerounais sont tous unis ici au Cameroun. Je ne suis pas dans vos choses là. Je ne suis pas dedans. Ça se passe bien. Pour ceux qui me suivent, savent que moi je ne suis pas dedans. Moi, je les garde. Moi, j'assume mes positions. À tous les Camerounais. Donc, je ne suis pas du genre, tu vas venir m'écrire, machin, truc, il est un traître, c'est monté, c'est descendu. Oh, tu fais quoi, Tata Lolo? Mais mon frère,
Donc vous allez aller même jusqu'à choisir même les personnes qui vont marcher avec telle personne. Vous allez aller jusque là. On vous a déjà appris ça, qu'il faut maintenant séparer même la famille. Donc vous voulez séparer la famille. La dictature de ça. Vous voulez séparer la famille. Ok. Les gens ont tenté de séparer les pistes. Tu n'es pas mon fils, hein. Il faut arrêter un peu. Non, ce qu'on va changer ton nom. C'est un enfant qui m'a toujours respecté. Ce qu'on va changer ton nom, Facebook. On va mettre Maman Lolo. Il m'a toujours sollicité quand tu as besoin d'un truc. On change ton nom. On se parle beaucoup en inbox. On va mettre Maman Lolo. C'est la première fois que j'étais sur Cameroun. Il m'a suivi jusqu'à l'aéroport. Mais je suis entré dans l'embouteillage là-bas, machin, à Oja là-bas. J'ai fait pratiquement une heure dans l'embouteillage. Voilà. Hein? Donc, je me suis retrouvé en train de boire la bière avec mes... Bon, je vais pas citer les contemporains. Hein, pas mes Lolomania. Merci à mes Lolomania pour le soutien. Aucune distraction. Votre tata Lolo est en mission. Je suis là pour vous donner la joie. Et franchement, les Camerounais qui sont ici m'ont contaminé cette joie-là. Parce que je suis... La joie se contamine de partout. Partout où j'arrive, c'est la joie, on parle que de alors, la canne, c'est les drapeaux de partout. Alors. Vraiment, le vert rouge, on est dans tout Yaoundé. La ville est propre. J'ai surtout aimé la beauté, la propreté de la ville. Voilà. Et le civisme des Camerounais. J'ai dit, waouh. Tu as vu le travail que le génie militaire est en train d'aboutir. Ils ont rangé les routes partout. Je t'ai dit, vraiment, si ça jour peut, et nuit, les gars travaillent même si dans la nuit. Si ça peut continuer comme ça, franchement, j'appelle à la réconciliation. Non, je vais faire une vidéo spéciale pour le génie militaire. Spécial pour le génie militaire. Ouais, ouais. Les gars sont venus en renfort par des instructions qui venaient du très haut. Voilà. Les gars travaillent 24 sur 24. Ils repartent toutes les routes dans la ville. Ah, ça, toutes cool. Les routes. Vive le Cameroun. Le Cameroun avant tout. Les hommes passent, le Cameroun reste. Restons unis. Non, tu sais que c'est... Les blogueurs... C'est, la, je suis resté... Que tous ces blogueurs-là qui sont cons. Demain, c'est comme ça que vous réduisez notre travail des blogueurs. Et puis quand le gouvernement ne va pas, peut-être ceux qui nous ont invités, ne vont plus envoyer des cartes d'invitation aux blogueurs, vous allez leur dire que non, nous sommes rejetés. Ouais, parce qu'aujourd'hui c'est vous. Peut-être demain c'est nous, hein, ou d'autres personnes. Donc arrêtez de menacer, de faire les directs, les bamilekés, les basisis. Arrêtez ça. Ça ne vous sert à rien. Voilà. Ça ne vous sert à rien. Nous sommes tous des Camerounais. Vous ne pouvez pas diviser un peuple uni comme mon fils qui est là devant moi. Il vous a dit quoi? Que sa grand-mère paternelle était d'un fou. C'est ça, non? Ma feu grand-mère paternelle. Oui, était d'un fou. Et après, il aussi mon grand-père paternel est de Santa, du village de l'ancien premier ministre, père Sonama, Thierry Achoudembe. Le père de ma mère est Bafoussam, la mère de ma mère est Banjoun. Voilà. Vous croyez qu'on s'amuse avec ça? Donc il faut arrêter, vous ne pouvez pas... Vous croyez qu'on s'amuse? Et je suis fier de ce que je suis. Ne croyez pas que c'est tous les Bamilekés qui soutiennent Kamto. Ne croyez pas que c'est tous les petits qui soutiennent Paul Biya. Ce sont les Camerounais, chacun a son... Comment on dit ça? Chacun a son orientation politique. Donc vous n'avez pas venu... Et chacun assume son orientation politique. Que c'est celui qui parle Rondo ou celui qui parle Boulou qui est derrière Paul. Non, il faut arrêter ça. Vous avez raconté beaucoup de choses, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais j'étais là à faire ces petits directs pour vous dire que la CAN, c'est demain, j'appelle à l'unité. Je ne suis pas venu ici là pour diviser les Camerounais. Je ne suis pas venu ici, je n'appartiens pas à un parti politique. Je n'appartiens pas à un parti politique. Mais j'ai été invité, je ne pouvais pas dire non parce que tout parmi, il n'y a personne parmi vous là. C'est le pays qui t'appelle. Ça, même parmi eux, même parmi ceux qui parlent, qui vous citent là. Quand le pays t'appelle, c'est le pays qui t'appelle. Quand le pays t'appelle, tu viens. C'est voilà. Ton pays qui t'appelle. Donc, on ne tourne pas le dos à son pays. Voilà. Et surtout quand ton pays ne t'a rien fait de mal. Quand tu as des affronts avec ton pays et que tu as peut-être tes anciens bails avec le pays, il peut t'appeler, tu refuses de venir. Mais quand tu sais que tu n'as pas des anciens bails avec ton pays, pourquoi ne pas répondre à l'appel? L'appel peut être favorable. L'appel n'est pas toujours un appel de vouloir corrompre ton esprit ou de vouloir distraire ou de vouloir manipuler les gens. L'appel parfois peut être favorable. Et les gens doivent comprendre ça. Les gens doivent comprendre que la politique n'est pas une politique pour tuer les gens. Ce n'est pas une politique pour empoisonner les gens. Ce n'est pas une politique pour l'arrogance. Ce n'est pas une politique de brutalité. Ce n'est pas une politique... Les gens doivent comprendre ça. Même si en face, à un moment donné, vous vous rendez compte que la brutalité est utilisée à votre endroit, vous devez comprendre que la réplique ne doit pas être la brutalité. Les injures à toi à travers, Lolo Fondja est monté, c'est descendu. Aline Zomomben a fait que, oh, c'est monté, c'est... Mais on est fatigué de tout ça. On a évolué, ça fait 4 ans que tout ça dure, 4 ans depuis 2018, que j'ai créé tous les personnages que vous connaissez, qu'on a sorti des milliers de chansons, même que les milliers de chansons que vous ne partagez même pas.
Tout ce qui intéresse la jeunesse camerounaise, c'est de critiquer, saboter, insulter sur les réseaux sociaux, être arrogant. Vous prenez l'éducation là où? Vous croyez que c'est avec cette éducation qu'on va évoluer? La même canne qui vient là, vous critiquez les stades qui ont été conçus. Moi, personnellement, j'ai visité 3 stades au Cameroun. Les mêmes stades ici, demain, vous allez voir ce qui va se passer dans les stades. Les gens vont écrire avec les marqueurs sur les stades. Les gens vont mettre les pieds sur les stades. Les gens vont faire caca dans les stades. Les gens vont pisser dans les stades, pisser sur les gens. Les gens vont bagarrer. Les gens vont agresser les gens là-bas au Limbé demain. On connaît comment le Cameroun est. Vous entretenez quoi? Avec ça, on ne peut pas évoluer. On va évoluer comment avec ça? Avec un peuple qui refuse d'être un peuple responsable. Un peuple mature, civilisé. L'incivisme, les injures à tort à travers, la gromologie. Après, vous vous plaignez quand vous martèle, quand vous tape le marteau sur la tête. Alors que vous-même, vous vous comportez de telle sorte qu'on vous brutalise à chaque fois. Hein? Vous comportez de telle sorte qu'on vous brutalise à chaque fois. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Que le bon comportement commence d'abord de façon individuelle dans nos cœurs. Et pour que ce comportement-là soit visible, que ça change, il faut déjà que la haine diminue sur les réseaux sociaux. Qu'on voit de moins en moins vos commentaires choquants. Un gars ne peut pas venir parce que tu avais ta main, il t'écrit que Mirador, tu nous as trahis. Je t'ai trahi que je travaille dans le champ de ta grand-mère. Est-ce que tu travailles dans le champ de ta grand-mère? Tu dis que tu étais trahi dans quel sens? Toi et moi, on a quel contrat? On a un contrat. Tu es là au lieu de vivre ta vie. Tu es un jeune, cherche le travail. Voilà la CAN qui arrive. Est-ce que parmi vous, les jeunes, là, vous avez cherché à développer des activités liées à la CAN? Non. Est-ce que quelqu'un a pensé à créer un concept sur un t-shirt pour pouvoir vendre? Et il m'a contacté Tata Lolo de publier sur sa page. On n'a pas publié. Vous restez là, vous attendez Facebook pour insulter les gens. Pendant que les petits frères sont en train de développer les business, voilà un petit frère qui a créé son modèle de la CAN. Il a dit que la CAN a sucre sucré. Il dit, je croque ma CAN. Il m'a contacté. Il m'a envoyé les prototypes de ses t-shirts. J'ai partagé. Le petit, il y a près de 10 t-shirts vendus. Et il vend un t-shirt à 6 000. Et juste que le petit a dépensé maximum 2 500 pour faire un t-shirt. Vous ne développez pas les activités pour attendre et dire qu'on a payé le billet d'avion à tel pour venir. Vous dites encore vous-même qu'on a payé le billet d'avion à telle personne pour venir valoriser la CAN. Voilà. Mais vous ne savez pas que le fait de venir valoriser la CAN, ça vaut un salaire. Le direct qu'on fait, c'est en réalité, ça vaut un salaire. C'est du travail. C'est de la communication. C'est de la communication. Internet est un support de communication. Vous n'avez pas les fouilles dans nos vies, celles-là se lèvent, les machines, elles ont soulevé les bien sûr. Vous avez d'insulter les enfants, les autres. On parle de la réalité. Vos enfants sont comment d'abord? C'est de la réalité. On parle de tout ça. Et demain, vous allez voir à quel point les Camerounais aiment le football. Ah oui. Le stade sera plein. Et ne me dites pas que le stade qui sera plein demain. Ne me dites pas qu'on nous dise pas que le stade qui sera plein demain sera plein des étrangers. Attention, le stade sera plein de mains des Camerounais. Vous allez voir dans les rues. Si les Camerounais ne parviennent pas à entrer dans le stade, vous allez voir. Les Camerounais seront pleins dehors. Moi, je suis pour cette jeunesse positive-là. Pour cette jeunesse positive. Parce que nous tous, nous avons de l'arrogance. Nous sommes tous nés au Cameroun. Moi, j'ai grandi entre Bamenda, Bafoussam, Yaoundé, Douala, Koumba. Je connais la violence. Nous tous, nous sommes violents. On connaît comment on fait la violence. On connaît comment on casse la bouteille, on tape sur les gens. Je l'ai déjà fait. Mais ce côté de la jeunesse-là ne paye jamais. On finit toujours par crever, par mourir. Comme tu vois, les jeunes meurent là. Petite bagarre, on dit qu'on l'a poindé, il est mort. Tu finis toujours par perdre. Soit une cicatrice qui va te gâcher le visage toute ta vie. Soit une image que les gars vont retenir de toi au quartier, que tu es un bagarreur, casseur de bouteilles et tout ça. Pour finir, ça te donne toujours... Il y a toujours de la négativité qui va rôder autour de toi. Toujours, et avec de la négativité, tu n'évolues pas parce que dans une entreprise, on ne peut pas vouloir t'avoir alors que tu es négatif. On ne peut pas vouloir t'avoir. On ne peut pas. Quel est le jeune parmi vous qui regardez ce live actuellement-ci, qui parmi vous a développé une activité autour de la CAN? Que cette personne met en commentaire et il dit exactement ce qu'il vend, Tata Lolo va partager. Ah oui, c'est ma mère, il veut lui dire qu'elle partage, elle partage, on fait les problèmes. Qui a développé un business autour de la CAN qui va commencer demain là? Qui a développé un business? Non, mais on développe la sorcellerie. On voit comment on va piéger la voiture de quelqu'un. On voit comment on va glisser un petit poudre quand je sensibilise à les réseaux sociaux, vous ne voyez pas. Quand j'ai aidé les Camerounaises qui sont en difficulté, vous ne voyez pas. Quand je fais des choses pour le Cameroun, vous ne voyez pas. Le monde est fait ainsi. Les réseaux sociaux sont incontournables dans ce monde-ci. Et les acteurs des réseaux sociaux sont les blogueurs, ce sont les nous là. Alors quand il y a un grand événement au Cameroun, c'est normal qu'on invite des blogueurs. Mais bien sûr. Nous sommes pas pendant combien d'années les blogueurs l'ont fait gratuitement. Voilà, pendant combien d'années on a fait ça gratuitement. Les pages sont monétisées parce que Facebook voit l'ampleur de ce que nous on travaille que nous faisons. Voilà.
Regarde tout le travail qu'on fait sur nos pages. Voilà. Sensibiliser, éduquer la jeunesse. Tu connais le nom, les dénonciations, nous tout ça là. Ça vaut quoi? Qui a déjà payé qui pour le faire? Personne. Mais nous sommes contents parce qu'à chaque fois que nous faisons des vidéos, il y a des partages. Il y a les cœurs qu'on envoie. Valoriser les blogueurs. Voilà. Normalement, tous les blogueurs, non, mais c'est le choix. Soyez contents parce que demain, ça peut être vous. Ne sais pas dire que celle-là est dans ce nu. C'est son corps. Elle fait son corps ce qu'elle veut. Quand il faut que les Camerounais essaient un peu d'être émancipés. Quand on passe à la Côte d'Azur, là, vous voyez les femmes européennes, elles marchent dans la rue avec deux pièces. Elles s'en fichent. Elles font leur truc. La matinée, c'est belle. On ne peut pas décrire une personne à travers son corps. La matinée, c'est belle. Derrière ça, il y a du mou qu'elle vous apporte. Elle vous apporte la joie. Les bordels ne sont pas des prostituées. Je n'ai jamais été prostituée. Hein. Je n'ai jamais été prostituée. Je ne connais pas tout l'appel à vente. Je suis la fille d'un commissaire. Regarde le charisme de votre téléphone, mon frère. Je suis une éducation. Vous ne pouvez pas salir ce qui est propre. Vous ne pouvez pas salir l'enfant de maître né de madame Biaï. Vous ne pouvez pas me salir. Et je vois qu'il y a beaucoup de haine. Je vais vous répondre quand je reviens sur Paris. N'oubliez pas, celles qui ont besoin de gélules amaigrissantes, quand je vais mettre le numéro de Michela Pepga sur la tête du direct. Les gélules magiques, regardez mon corps. Les gens ont dit que j'ai le gros vengeri. Regardez-moi comment il est. Le corps de Tata Lolo. Mon corps. La personne qui regarde. Même quand vous n'avez pas dit que les femmes qui n'ont pas. Les fossiles. On va t'interdire de faire la pub. Hein. On va t'interdire de faire la pub sur ta page. On va t'interdire ça. Les fossiles. Ah bon. Oui, ils vont dire que tu n'as pas le droit de faire. La pub, que tu peux seulement parler de la cam, tu fais pas si la pub. Si tu as besoin de gélules amaigrissantes, je vais mettre le numéro de Michela Pepga sur la tête du direct. Ah, les cœurs. N'oubliez pas aussi. Les têtes de mort sont parties. Voilà, n'oubliez pas de commander vos gélules. J'ai fait des efforts pour laisser le stock chez Michela. Et bon, tous les mercredis, elle va livrer, tous les samedis, elle va aussi livrer. Donc, je vais laisser le. En Allemagne, Rêve Biaïe est la distributrice en Allemagne. En France, Michela Pepga est là. Et puis, je vais laisser le numéro de téléphone. N'oubliez pas de faire un tour chez Adrian Fashion pour les vêtements. Et Noli Bouti, fais tap scène avec le code Lolo237. Voilà. Et voilà. Moi, je suis avec vous. Je suis fier. La fête continue. Là, tout le placement, placement de produits. Je suis sorti avec mon fils Mirador. On va aller manger quelque chose quelque part. Et après, il va me déposer. Quoi. Donc, je vous aime. Je vous embrasse. Je ne réponds plus à personne. Je profite de la canne. Merci à tous mes lolomaniens. Demain, on est dehors pour la canne. Merci à tous les Camerounais. Restons unis. Restons unis. L'unité. Ensemble, nous sommes forts. Ne soyons pas divisés. Laissez les haineux, les tribalistes faire leur travail. Quand vous arrivez dans leur direct, passez. Ne vous arrêtez pas. Ne m'appelez pas pour les attendre. On a dit que. Ouais. C'est la personne qui nous a invités a une très bonne idée et que cette personne ne se décourage pas, ne serait pas au central. C'est une très bonne idée parce que vous avez autour de trois blogueuses des réseaux sociaux, nous avons vu comment ils ont commencé à parler de la canne un peu de partout, la canne. Alors il y a cela deux semaines, c'est là disait que la canne ne va jamais exister. Il n'y aura pas la canne au Cameroun. On n'a pas fini le stade de l'Olympe. Chacun allait chercher les vieilles photos des vieilles routes de Yaoundé. Voilà les routes que les gens vont recevoir la canne. Oh, il y a les marécages ici. Aujourd'hui, ils ont honte. Ils ont honte parce que l'impossible n'est pas camerounais. Ils ont honte parce que la canne aura lieu au Cameroun. Ça sera sucré. Ils ont honte parce qu'ils n'ont pas eu confiance. C'est déjà sucré. Ils n'ont pas eu confiance aux Camerounais. Les Camerounais ont fait. Nous avons des stades. Nous avons 24 pays dans notre côte, dans notre territoire. Nous serons accueillons ces étrangers qui sont sur nous. Ouais. Dans la bonne propagande des réseaux sociaux, arrêtez la haine. Oh, de la fils, oh, ceci, cela, oh, les drogués. Oh, dans vos maisons en France, vos enfants sont des drogués. Qui ignore ça? Dans vos maisons en France, vous les femmes immigrées là, vos enfants sont des drogués, vos enfants sont des prostituées. Qui ignore ça? Que vous-même vous êtes des bordels. Hein? Vous voulez salir l'image de Tata Lolo, de Tata Aline et de la veuve Joël devant nos autorités? Vous mentez. Aucun enfant, le président Pobiali qui les jette, aucun de ses enfants. Nous sommes tous ces enfants. Votre manipulation, ça ne va pas arriver. Bande de têtes. Je n'ai même pas envie de vous insulter. En tout cas, la vérité, c'est que... La manipulation ne passe pas. La vérité, c'est que... Le président a dit qu'il veut tous ses enfants autour de lui. Même ceux qui l'insultent, ils vous veulent autour de lui. Parce que c'est un rassembleur. Nous sommes là parce que nous méritons d'être là. Demain, ça sera votre tour. Laissez la jalousie. Laissez les discours tribales. Et demain, quand vous me regardez demain, vous pouvez m'habiller comme moi.
Parce que quand même, mon body ici, allez fouiller dans mon magasin des Chinois, vous n'allez jamais voir ça. La classe et l'élégance. Je suis la fille d'un commissaire prieur. Une fille du NDE, noblesse, dignité, élégance. On se ressemble. Regardez-moi celles qui disent qu'elles sont belles, elles sont ceci, elles sont cela. Vous ne pensez pas porter le bon habit sur vous. Quand je m'habille, je passe en tout cas dans la rue. Voilà, vous me dites que vous avez fait le pilon avec un cassa. Moi, bien, regardez. Je suis riche. J'ai toujours le cassa dans ma vie. Le cassa, montre même sur moi. Regardez bien la fille du commissaire priseur. Je vous ressemble. Bandelette, vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux de ma beauté. Vous êtes jaloux de ma prestance. Vous êtes jaloux parce que même si je n'aime pas, même. Vous êtes jaloux de moi parce que je vous hante. Je vais vous répondre quand je vais rentrer. Je vais vous aligner que one by one. Je vais finir avec vous. Pour le moment, hein, j'enjoie la canne. La canne est sucrée. Un big up à vous, même Lomania. Restez mobilisés derrière votre tata Lolo. Le son de l'heure sort demain. Le son de la canne, mon son à moi. La canne sera sucrée. La canne est sucrée. Toum, 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 toum. Vive tata Lolo Fondia. Vive tata Aline. Toum, 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 vive la bébé joyeuse. Toute la pièce, toute la pièce. Vive Fleur de Lille. Toum, toum, toum. La clim la étouffe même déjà. Tu as l'énergie. La bébé là du Cameroun. Toum, 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 toum. Vive tout le Cameroun. Ensemble, nous sommes plus forts. Vous ne pouvez pas me jalouser. Vous pouvez me déstabiliser. Vous avez que les enfants s'arrêtent. Vive Mouton, Mouton, Mouton. Vive Mouton, Mouton. Je m'assois sur vous. Je vous dis, vous pliez comme le tarot. Vous avez la chance. Je vous traiter. Vive Julien Zombie, la reine mère de Lolomania. Et vive, vive toi-même. Vive Tata Lolo, la fille du commissaire Pizer. La beauté de ça. J'ai appris que les gens s'étaient cuits. On ne répond à personne. Les gars ne m'ont pas encore demandé combien on m'a donné. On n'a rien donné. Moi, j'ai donné. Mais attends un peu. C'est tout le Cameroun ensemble. Vous me demandez pas combien j'ai eu. Un big up, mon ami, un big up à mon ami. À mon ami personnel. Mon binôme. Paul Desibia. C'est de ça qu'il s'agit. Le journaliste international, le seul et unique au Cameroun, il n'y a pas son seul. C'est mon type, hein? Ah bon? Hey, Paul Desibia. Hey, c'est mon quoi? Voilà, c'est mon binôme. Le charisme que le type là. Je m'en vais son émission qu'il a fait à Tara plus là. Comment il a fait avec nous? On m'a dit que les faux signes. Non, mais si tu as les faux signes, ça c'est mis avec. Les faux signes, mais il avec. Tout dit, ya, Paul Bia, tu es trop fort. En tout cas. Big up à tous les Lolomania, puis voilà Julien Zombie, puis Chéri Bénéné, Lolo Gloria, mes vrais Lolomania à moi. Ce sont les... Je connais mes vrais Lolomania, je suis avec vous, les jaloux au lac. Ma belle sœur même bien, ta sœur est en haut. Eh, la madame, c'est à l'autre. Je suis en haut. Tu as l'énergie. Merci beaucoup à la première dame de notre pays. Calme total énergie. Madame Chantal Bia, femme de cœur, femme généreuse, la mère de tous les enfants. Mais nous t'aimons. Bonne canne, vive le Cameroun. Vive Wario, ce qu'elle avait sa maman. La jalousie va vous tuer. La jalousie va vous tuer, maman. Dormez la nuit. Les fantômes, dormez la nuit. Les cauchemars, dormez la nuit. Il y a le corona dehors. Dormez la nuit. Dormez, embrassez vos maris. Rose Mengue, bonsoir, Tata Lolo. Faites bisous à vos maris. Minaë Jussé, laissez Tata Lolo savourer le Cameroun. Ah oui. Ah oui, laissez-moi savourer ma canne sucrée. La canne à sucre, laissez-moi vivre le Cameroun. Ya, la jalousie vous la donne quoi? Non, on parle. Ouais, ici. On parle. Ouais, on parle. Le son de l'heure. Il y a 23 heures. La canne à sucre, il y a 23 heures. Oui, non. Oh, allons, allons. Je m'en vais au Tchartis, hein, c'est ça le tchart. Lolo Fodja, la canne est sucrée. Lolo, oh, Shiva, Shiva! Ça, c'est le grand manager, grand politeur Sibon. Demain, rendez-vous demain pour la sortie officielle. Demain pour la sortie officielle. Ah non, on bise encore. On bise encore l'affaire là. N'oubliez pas les jeux de la Bergissan, Michel Pedda. Lolo, lolo,
Notre pays c'est Nyanga. Le Cameroun, si on s'amuse, on va le détruire. Je lance le il y a trop le fond au Cameroun. Les gens mettent trop les organes. On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. On ne met pas le cœur. Tu veux mettre ton cœur dans un trou où il n'y a pas d'ampoule. On ne met pas le cœur. Si les gens simplifient la vie autour d'eux, allez juste à l'essentiel. Vous allez voir que vous n'aurez aucun problème. Mais les gens veulent toujours entrer dans les vies des gens pour dire que non, tu ne manges pas le manioc, mange plutôt le bobolo. Pourquoi tu manges le tapioca, mange le foufou, mon frère, tout ça c'est le manioc. Tout ça c'est le manioc. Tu manges le tapioca, on dit que non, mange le bobolo. Tu prends le bobolo, on dit que prends le miyongo. Tu vas supporter le camion obligé, bah, il faut y taper. Voilà, Colas, voilà la vidéo là ici. Regarde. On joue sa vidéo là, non? Oui, oui. Le message qu'il y a derrière cette vidéo, là, en fait, vous rappelez la vidéo aussi? Il y a un problème. Mon gars, tu me gifles même. Pourquoi? Gafré, c'est quoi? Gafré, c'est quoi? Cola Sucré et la légende. Quoi? Je crois que ça fait peut-être 5 ans aujourd'hui. 4 ans ou 5 ans. C'est toi qui tapais dans les mamies de ta maman, non? Aucun citoyen dont tu n'es pas. Chaque citoyen a le devoir de supporter son équipe. Tu vas supporter les lions. Ah ouais, je me dis que je vais supporter les lions. Tu ne supporte pas les lions. Tu ne les supporte pas. Ah ouais, si tu me dis que je vais supporter les lions. Ah ouais, je vais supporter les lions. Même quand il dit que je vais supporter, on claque toujours. Les lions, je vais supporter les lions, tu peux t'aider, je te casse même la mâchoire là, tu ne supportes pas les lions. Je vais supporter les lions, je vais supporter les lions. Quand les lions ont gagné, c'est lui qui tapait les couvercles de sa maman. Je dis que tu ne supportes pas les lions, je vais supporter les lions. Les fans de Tata Lolo, vous connaissez la leçon qu'il y a derrière cette vidéo. Vous savez que moi, j'aime toujours regarder ce genre de vidéo au troisième degré. Je ne m'arrête jamais au premier. La leçon qu'il y a dans cette vidéo, c'est quoi? C'est que on a une équipe de Lyon qui a bien performé pendant une période où les gars ont bien gagné. Les gars sont sortis, vous vous souvenez, dans les rues, on a tapé les mamites, on a fait le désordre, on a cassé les choses partout parce qu'on était fous de joie. Mais pour peu que les Lions aient manqué une certaine tactique dans leur jeu et qu'ils aient perdu un match, le bonhomme dit qu'il ne supporte plus les Lions, que les Lions peuvent donner l'AVC. Ah bon? Comme toutes les équipes du monde, c'est le ballon rond. Maintenant, Colas Sucré vient dire à les gens que dans le sketch, que mon ami, en tant que citoyen camerounais, supporter l'équipe des Lions ne se négocie pas. Quand il s'agit déjà du pays, quand le pays vous appelle à être des patriotes, ça ne se négocie pas, peu importe les situations dans lesquelles vous vivez dans un pays. On ne trahit pas son pays. On peut trahir les hommes. On peut trahir les hommes qui gèrent le pays. On peut trahir les hommes qui sont contre le pays. On peut trahir les amis. On peut trahir, comme les gens passent à trahir leurs amis, ils empoisonnent, les amis meurent là. On ne trahit pas son pays. On ne trahit pas la patrie. C'est ça le message qui a derrière cela. Alors si la CAN est là et que ceux qui nous dirigent ont décidé que cette CAN aura bel et bien lieu et qu'ils ont bataillé comme ils ont bataillé pour que ça ait lieu, le devoir de chaque citoyen camerounais, c'est d'être patriote. C'est d'être un patriote. Avoir le vrai sens du civisme et le vrai sens du patriote et de soutenir son pays. Pas de soutenir, je ne sais pas, la haine, le tribalisme, l'arrogance, la violence, les messages haineux et tout ça. Moi, je ne suis pas ce genre de... Je ne suis pas ce genre de jeune, je ne suis pas grandi dans ce genre de contexte. Nous tous, on a connu la souffrance. Et aujourd'hui, je suis celui que je suis parce que je travaille. Ça, c'est le message dans cette vidéo. Que tu vas supporter les lions. C'est au-delà de supporter les lions. Parce qu'on a juste voulu réduire le sketch là au niveau des lions. Pour que ce soit digeste. Mais c'est au-delà de supporter les lions. Il s'agit ici du pays, de la patrie.
Soutenir sa patrie ne se négocie pas. Ça ne se négocie pas, on ne te demande pas. Ce n'est même pas un devoir, c'est une obligation pour quelqu'un de soutenir sa patrie. C'est une obligation, tu dois soutenir ta patrie. C'est une obligation. On ne demande pas à naître dans un pays ou dans un autre. Ou dans une région. Ou dans une région. Je ne suis pas né comme je suis né parce que j'ai voulu être né comme ça. Attends, vous êtes sûr que s'il fallait choisir mon pays, j'allais choisir. J'allais choisir de ne pas naître sur la terre. Moi, j'allais choisir de naître à l'époque d'Abraham. Lui, non. Il vient faire quoi ici pendant que, durant cette période où il y a plein de jalousies. C'est vrai que même la période où il y avait la jalousie. Il y a aussi la jalousie. Judas avait trahi Jésus. Oui, Judas avait trahi Jésus. Ah, ça. L'histoire-là, ça existe depuis, ça existe depuis from longtemps. Hein. On va gagner. Non, mais on dit quoi? On parle. On parle, on parle, on va rentrer. Alors, on dit au revoir à tes fans, Nongo. Mais Lolomania, non, Alors, mais Lolomania, si vous avez besoin, vous avez vu comment j'ai un corps de rêve maintenant, non? Il me fallait bien qu'elle ait le corps. Moi, j'ai mes petites fesses que j'aime bien. Alors, ça va les énerver. Tout le monde dit que tu vends le piment. Quand non, tu non, non je ne vends pas le piment. Franchement, je ne suis même pas. S'il faut voir le, j'ai pas besoin. Je suis comme. Même si en couple depuis 12, 11 ans. Même si on va, je suis le manager. Je suis mère d'une petite fille. Je suis le manager. Envoie-moi l'argent. Elle est cinquième. Elle est très sage. Et alors que, voilà, elle a la maison avec son papa. Tout se passe très, très bien. Donc, je parlais. Je reviens encore sur la publicité. Les gélules amaigrissantes, c'est les gélules miracles. Quand tu prends ces gélules-là, maximum, chaque mois, tu perds 5 kilos. Tu manges, regardez comment je suis pas pâle. Avec mes gélules, tu retrouves la forme dont tu rêves. Donc, les gélules sont disponibles chez Michela Pepga. Je vais mettre le numéro de téléphone sur l'antenne du direct. Vous pouvez commander chez elle. Donc, elle va livrer deux fois la semaine, le mercredi et le samedi. Et en Allemagne, il y a Revmbiaï qui livre les gélules. Et puis voilà, mais Paris, et voilà, c'est un peu ça. N'oubliez pas. Notre petite soeur Sandy, comment elle s'appelle encore? Sandrine Fasson, donc Adrienne Fasson qui vend les vêtements en ligne. Si vous avez envoyé l'argent en Afrique, tapez l'application TapTapSell pour votre premier transfert avec le code promo LOLO237. Vous avez 5 euros de plus sur votre. Sur votre mandat, dont la personne 5 euros de bonus. Donc, si tu envoies 100 euros, la personne qui reçoit va recevoir 105 euros avec le code promo LOLO237. Voilà. Yes. Donc, TapTapSell. TapTapSell, n'oubliez pas ça. Et voilà, je suis là à partir de demain. Le placement des produits. Voilà, à partir de demain, la CAN sera vraiment. Elle commence, je vais commencer la CAN a déjà commencé à être sucrée. Je vais commencer à vous montrer tout ce qu'il faut vous montrer parce que je vais sortir qu'en basket. Nous sommes déjà sucrés. C'est le 31 décembre de la CAN aujourd'hui. Voilà, le 31 décembre de la CAN. À partir de demain, je vais faire le tour de Yaoundé. Voilà, donc les hostilités commencent demain. Alors ce soir, j'ai été invité, on appelle Antoine, comment le Churchill sera dans la Elix Sono. Je vais là-bas, j'ai été invité par le patron. Je vais faire un tour. M'amuser un peu parce qu'à partir de demain, le travail commence. Je veux remercier ici Aline Zomo Ben parce que ce qu'elle a fait, elle a fait un acte patriote. Elle s'est dit, avec les problèmes qu'il y a dans les réseaux sociaux, si on m'a interpellé et qu'on a besoin de la présence de quelques blogueuses, pourquoi pas appeler ma soeur, ma compatriote, Lolo Fondia. Je ne sais pas, je ne connais pas les gens qui sont derrière cette invitation, mais je veux leur dire merci. L'idée était bonne. Ne cédez pas au chantage. On ne fait pas chanter un gouvernement. Ne cédez pas au chantage. Nous avons notre place ici et nous avons toujours soutenu notre pays. Que ce soit la Veuve Joyeuse, ne regardez pas les images dégradantes de nous qu'ils vous montrent. C'est une façon de vous dire que nous ne méritons pas ça. Alors que dans leur maison, elles ont des enfants qui se droguent, qu'elles n'ont pas pu, elles n'ont pas réussi l'éducation de leurs enfants. Moi, je suis en diaspora, je suis en Europe, je sais ce qui se passe là-bas. Parmi ceux qui parlent là, il y a les enfants qui sont des drogués, il y a ceux qui se lèvent les matins, elles vont faire la prostitution dans toute la France, mais elles sont champions pour venir critiquer d'autres personnes. Elles sont ces femmes-là qui veulent montrer qu'elles connaissent le Cameroun plus que tous les Camerounais, qui veulent ici pavaner avec les maris des gens. Alors, quand je rentre dans la France, je vais framponner avec les preuves à l'appui. Ça va les péter. Les femmes mariées, elles écartent un peu de partout. Nous avons vos A1. Et si vous voulez que ça sorte, ça va sortir. Avant de me dire que tu es une femme prostituée, rassure-toi que tu es une femme, que tu n'as jamais couché avec le mari de l'autre. Ah voilà. Oui. Donc, ça va péter. Je vous laisse. Merci à Julien Zombie. Merci à Lolo vous dépasse. Merci à Brando, le Brando l'Allemand. Merci à Cindy Fosford, Pachantou Beninga, Pamela Criquet.
Bardo l'Allemand, à toi tout, mais l'Olomania, ma camarade Louise Mi, Inongo Yvette, la Rosita Inongo. Merci à tout le monde, Trish la Fabuleuse, en tout cas Karine Bouda, Hélène Ketcha, toutes mes petites soeurs. À tout le monde, tout le monde. Ma petite soeur Eve Mbiaï, ça se passe bien au Cameroun. Voilà. À mon chéri, papa Fodia, je t'aime de tout mon cœur. Et merci pour le papa. Tu es le papa. Comment je vais dire? Il n'y a pas un papa. Tu es le meilleur papa du monde. Oui, tu es le meilleur papa du monde. Peut-être tu peux parler. Peut-être tu es le meilleur papa parce que le travail que tu abats tous les jours, peu d'hommes le font ou à nos jours. Tu es un homme exceptionnel et je t'aime beaucoup et personne ne va nous séparer. Ne tiens pas compte de ce que les gens disent de toi. C'est parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu es un travailleur. Un maçon qui se lève tous les matins, il va travailler. Tu es un papa responsable. Yes. Papa, tu n'es pas un voleur, tu es un grand homme et tu te respectes. C'est la raison pour laquelle mon cœur a battu pour toi. Ah tu oui. C'est mon bébé. Oh, quelle clôturation. Allons nous manger. Big up à mon directeur, Paul Desibia. Oui, ça c'est mon type. Big up, là où tu te trouves, je te big up. Trop de charisme dans ton corps, mon frère. J'ai aimé ta vidéo qui est sortie sur Tara Plus. Oh, mon type. Là où tu vas regarder le direct, si gars, t'es big up. On est ensemble. J'appuie sur terminer. Au revoir, mais de l'Omania. Au revoir, mais. Je suis content de t'écouter. Au revoir, les l'Omania. Allez, la canne sera sucrée. La canne sera sucrée.